Alors je tiens à remercier tout particulièrement Booba, Monsieur Booba, je l'appellerai, parce que il est prêt, lui, à en découdre au-delà des mots. Il a dit dans le journal Le Parisien qu'il était prêt à rencontrer n'importe qui, c'est tout à son honneur. Parce qu'il s'y montre au moins à travers ses actes que c'est un bonhomme. Il a des mots, certes, et il a aussi des actes. Et donc ça c'est, faut quand même lui dire félicitations. Cela dit, il y a quand même, on attend toujours que les gens de son entourage puissent se mettre en relation avec nous afin qu'on puisse trouver une solution financière. Parce que j'ai dit sur la première vidéo qu'il y aura du caramel. Alors si vous n'avez pas compris que le caramel c'était de l'argent, c'est pas des dirhams qu'on va vous proposer, c'est des euros. Voilà. Maintenant, un message pour la personne qui a décliné l'invitation à monter sur le ring, donc en l'occurrence Rof. Je t'ai eu au téléphone. Moi, je trouve que tu as des manières qui sont très particulières de pas me dire à moi au téléphone, mais par contre, quelques jours après, d'aller cracher sur moi sur Facebook. Qu'à cela ne tienne, moi, je suis pas un gamin. Moi, on m'appelle monsieur, j'ai 40 ans. Donc, j'ai vu ton entraîneur, comme je te l'ai dit au téléphone, le lendemain, je vais avoir rendez-vous avec ton entraîneur. J'ai vu ton entraîneur qui est un ancien champion du monde de boxe thaï, que je félicite et que je remercie de son accueil, dans lequel moi je me suis engagé à pas te cracher dessus. Donc toi, j'irai pas m'abaisser aux conneries que t'as fait envers moi. Moi, je mets ça sur le compte de la jeunesse. Bon, voilà. Pour moi, c'est une affaire qui est finie. Donc voilà, encore, on reviendra plus là-dessus. Les idées sont toujours partagées quand vous proposez quelque chose de nouveau. En France, toute chose nouvelle est mal perçue dans la mesure à nouvelle donc différente. Et quand vous faites quelque chose, vous attirez toujours la convoitise de trois personnes, les critiques de trois personnes. Ceux qui aimeraient faire ce que vous faites, ceux qui font la même chose, a priori il n'y en a pas, et ceux qui n'ont pas le courage de faire ce que vous faites. Donc, et paradoxalement, il y a plus de soutien de personnes qui vraiment sont favorables à la dite initiative pour un peu démasquer les pseudos paparazzi, comme on dit, des mecs qui se cachent, en fait c'est simplement pour faire un buzz, etc. Au même titre qu'il y a des acteurs qui sont en idylle amoureuse avec telle ou telle personne pour faire monter le buzz et pour vendre leur digue. Maintenant faut arrêter. Faut arrêter. Moi je suis dans la musique aussi, je suis producteur aussi. Et ben maintenant faut arrêter de torquer du cul pour chez droit. Faut aller à l'essentiel. T'es un homme ou t'es pas un homme? Alors si, dis pas que t'es un homme si t'en es pas un. Et arrêtez de vous servir de la boxe comme prétexte pour dire que vous êtes des hommes. Maintenant, il n'y a pas de raison que la boxe ne se serve pas de vous pour valoriser la discipline, tout simplement. Alors encore une fois, félicitations Booba. J'ai bien compris par ce message-là que tu ne voulais pas rencontrer Jérôme Le Banner ou bien Patrice Carteron, qui se mettent encore une fois en relation avec moi pour que je lui dise combien de caramels il va avoir. Et vous inquiétez pas, on ne paiera pas en dirham, on paiera en euros sonnant et trébuchant. Mais par contre, on a The Challenger. Quelqu'un qui a envie de relever le défi. Ça a été très dur à trouver dans le milieu du rap français. Mais je sais qu'il y a des hommes quand même dans le rap français. D'ailleurs, je leur invite à se manifester auprès des personnes compétentes. Et notamment, on arrive toujours à me trouver via les réseaux sociaux ou bien via la chaîne YouTube ou Dailymotion. Je lis, c'est moi qui m'occupe des messages. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et donc on a un combattant qui est prêt à relever le défi, un quelqu'un qui lui ne va pas se défiler pour une question de poids, pour une question de quoi que ce soit. Au même titre que moi, je ne me suis jamais défilé quand j'ai boxé dans les quatre coins du monde. J'ai 62 combats, j'ai 40 victoires avant la limite, j'ai rencontré tout le monde, même des champions du monde, j'ai changé d'adversaire 3 jours avant, j'ai accepté de les rencontrer. Et bien j'en ai trouvé un qui a la même mentalité que moi et qui est ce que j'appellerais aussi un bonhomme. Donc on va faire un combat de bonhomme et je tiens quand même à le féliciter d'accepter un challenge qui n'est pas facile. Veuillez accueillir comme il se doit, Monsieur Kamel l'Ancien.